Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pas très rigolote je pense. Donc voilà, je m'excuse par avance si jamais cette vidéo ne vous fait pas sourire à la fin quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'en fait c'est un sujet un petit peu délicat donc, que je vais aborder aujourd'hui, c'est-à-dire le harcèlement à l'école. Donc je vais vous parler un petit peu de mon histoire et vous donner 2-3 petits conseils pour essayer de surmonter un petit peu tout ça. Enfin voilà, je fais simplement cette vidéo parce que j'ai envie d'aider des gens. J'ai envie d'aider les personnes tout simplement à en parler et ne plus rendre ce sujet tabou, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez tabou, même pour moi-même. Je fais un gros pas en avant aujourd'hui de vous en parler comme ça si ouvertement. Et je pense que c'est vraiment un énorme pas d'en parler à des milliers de personnes sur YouTube. Je sais que c'est un petit peu bizarre et je sais pas si cet exercice est une bonne idée ou pas. Je sais pas si ce que je vais faire aujourd'hui est une bonne idée ou pas, j'en ai aucune idée. En tout cas, j'en ai ressenti le besoin parce que je me dis que bon, plus on en parle et plus cette chose sera moins tabou et plus d'autres personnes voudront en parler. Donc je me suis simplement dit que si je peux aider des personnes par cette vidéo, c'est tout bénef quoi, donc tout simplement. Si jamais ce genre de vidéo ne vous intéresse pas, ou si jamais vous vous sentez critiqué ou quoi que ce soit, je vous conseille de simplement pas regarder la vidéo. Je ne suis pas là pour polémiquer, je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit comme ceci. Enfin voilà, je suis là, je veux juste en parler avec vous et un petit peu essayer de réveiller un petit peu les esprits là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un problème, certes pas un problème, on va dire... c'est un problème comme un autre, je veux dire, c'est un problème dont il faut parler, dont il ne faut pas avoir honte et dont il faut mettre des mots dessus, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo, je veux pas dire que cette vidéo plaira parce que je pense pas qu'elle va plaire à beaucoup, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aidera pour ceux qui en ont besoin et n'hésitez pas donc à laisser en commentaire si jamais vous avez besoin d'aide ou si jamais vous avez besoin de conseils de ma part, je serais vraiment très 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 heureuse de vous aider là-dessus, voilà. Donc c'est parti, tout d'abord donc mon histoire, et en gros, ça s'est passé quand j'étais en 3ème, donc au collège, à ma dernière année de collège. J'étais donc en 3ème comme je vous l'ai dit, oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est en gros que je me faisais donc harceler depuis déjà un petit moment par plusieurs personnes à l'école. C'est vrai que moi dans ma vie je n'ai pas non plus été, je vais pas dire que je n'étais pas sociable, mais j'étais très naïve et très... Ouais, j'étais une jeune fille très naïve et qui voulait absolument se faire des amis et qui voulait être amie de tous. Mais voilà, je me suis bien rendu compte plus tard que ce n'était pas possible d'être amie avec toute la terre entière. Donc simplement voilà, j'étais naïve et je croyais à tout, je croyais à tout ce qu'on me disait. Je n'avais pas de sens critique vraiment. En tout cas, mon sens critique n'était pas encore assez développé à cette époque-là. Voilà, donc c'est vrai que je me faisais avoir assez rapidement pour plusieurs raisons. Et donc dans ce collège, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me faisais un petit peu embêter par une bande de filles, on va dire populaires, ce qui est généralement le cas quand on se fait harceler par des gens. Mais voilà, des jeunes filles, donc on va dire assez populaires dans le collège. Et moi, c'est vrai que moi, j'étais la petite... la petite blonde, on va dire, stéréotype de la petite blonde au collège. C'est vrai que bon, on va dire ce qui est, j'avais le corps qui changeait, donc c'est vrai que c'était à l'époque où voilà, je me découvrais un petit peu, donc j'essayais un petit peu tous les styles vestimentaires possibles et imaginaux, voilà. Donc c'est vrai que je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais toujours même pas pour quelle raison, mais donc cette bande de jeunes filles a donc décidé de m'embêter tout simplement, de me faire un peu vivre la misère, j'avais retrouvé ma carte de bus brûlée dans mon sac, je sais même pas si c'était elle qui avait fait ça, en fait je sais même pas du tout qui c'est qui avait fait ça pour être honnête, mais simplement plein de petites choses comme ça qui juste petit à petit vous mangent petit à petit et vous pourrissez un petit peu plus la vie chaque jour au collège. Heureusement j'avais de bonnes amies aussi, donc c'est vrai que j'étais un peu aveugle sur ces choses-là. Enfin, je voyais pas vraiment, en fait, j'arrivais pas à voir que des gens m'embêtaient, en fait. J'arrivais pas à mettre, à simplement voir que
que je me faisais harceler, alors que je me faisais harceler, ça qui est bizarre. Et en fait, tout s'est vraiment accéléré fin novembre, je crois que c'était vers novembre-décembre. Je crois que vraiment, tout vraiment s'est vraiment accéléré. À la suite, je crois que c'était en art plastique ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. C'est un petit peu loin tout ça. Ça remonte quand même à 10 ans, pratiquement. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était en cours. Voilà, je crois que je sais pas ce que j'avais fait. Je crois que apparemment, une jeune fille, bah, une des filles de la bande m'avait dit comme quoi j'avais. J'avais recopié son dessin, enfin bref, voilà, une petite dispute un peu stupide, complètement stupide quoi. Et voilà, donc simplement, bon, j'étais restée là-dessus et je n'avais pas été plus loin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc la veille des vacances de Noël, donc un vendredi, je crois que c'était un vendredi. Et donc le vendredi, à cette époque-là, avec ma classe, on finissait toujours le vendredi soir par un cours de sport. Le cours de sport, donc en fait simplement je suis arrivée dans les vestiaires et en fait donc il y avait toutes mes camarades, toutes les jeunes filles de ma classe qui étaient présentes dans le vestiaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait donc ces jeunes filles m'ont fait une sorte de guet-apens pour pas dire le contraire, voilà, un guet-apens un petit peu comme dans les westerns, vous savez, vous avez les cow-boys qui arrivent sur la place et que vous avez les amis en à bout qui leur sautent dessus, bah c'est un petit peu le même truc, voilà, on va mettre un peu cette image là-dessus. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi en fait. Ce qui s'est passé, c'est simplement, donc voilà, je me changeais comme dans un vestiaire et c'est vrai que je n'étais pas non plus dans une posture assez, on va dire, je n'étais pas à mon avantage étant donné que voilà, je ne portais pas non plus beaucoup de choses sur moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bah voilà, simplement elles m'ont sauté dessus et puis donc une filmait la scène, c'est vrai quand voilà, une filmait la scène avec son téléphone portable et une autre s'est jetée sur moi et m'a roué de coups à maintes reprises. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, là j'en parle avec le sourire parce que ça remonte quand même longtemps et puis bon, j'ai fait quand même, voilà, c'est du passé pour moi, même si ça reste quand même un petit peu douloureux quand même parce que bon, c'est une sorte d'humiliation, on va dire, tout simplement. Et donc c'est vrai que voilà, c'est que je comprenais pas ce qui se passait, je ne savais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas pourquoi tout ça se passait et je n'ai pas réagi en fait, je n'ai pas redonné de coups moi parce que je ne comprenais pas, enfin c'était tellement la surprise pour moi, je ne comprenais même pas pourquoi elle me sautait dessus comme ça, je ne comprenais pas tout simplement. Et donc en fait, donc j'ai vu bien sûr que cette autre jeune fille me filmait et donc bien sûr voilà, ça a été la douche froide parce que je me suis dit mon Dieu, mais où ce film va aller, voilà. Et encore, j'étais chanteuse parce que ce n'était pas encore la... On n'était pas encore à l'époque de Facebook, de YouTube, enfin on était un peu à l'époque, mais je veux dire, c'était pas comme c'est maintenant, quoi, ou vraiment, parce que là, je pense que si ça avait été aujourd'hui, je pense que la vidéo, elle aurait fait le tour du monde, là. Mais, bon, je sais, j'ai jamais vu d'ailleurs cette vidéo, je ne veux même pas la voir. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. En fait, donc, le cours de sport, on s'est passé, et ensuite, à la fin du cours de sport, je suis retournée donc au vestiaire me changer, avec la peur au ventre. Et bien sûr, je n'en avais pas du tout parlé au professeur. Et quand je suis revenue au vestiaire, et ben rebelote, ces jeunes filles m'ont encore sauté dessus et m'ont roué de coups une nouvelle fois en me disant bien explicitement voilà, si t'en parles, et ben t'es morte en quelque sorte. Voilà, enfin, des menaces, on va dire, pour éviter que j'en parle. Et voilà, donc tout ça s'est passé comme ça. La deuxième fois, je veux pas dire le contraire, mais voilà, la deuxième fois, j'essayais quand même de me défendre un petit peu parce que bon, voilà, faut quand même sauver un peu l'honneur. Mais bon, enfin, c'est vrai qu'à une contre trois, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, donc je suis rentrée chez moi, c'était donc, comme je vous l'ai dit, la veille des vacances de Noël, donc je suis rentrée chez moi. Bien sûr, ma sœur m'avait vue en pleurs dans le bus parce que c'était à l'époque, enfin, j'habitais dans un village et donc pour rentrer à la maison, il fallait prendre un car avec tous les gamins du village dans le car. Et voilà, donc bien sûr ma petite sœur était présente et donc j'ai essayé de cacher du mieux que j'ai pu pour ne pas montrer que ce qui s'était passé, mais évidemment étant donné que voilà, que tout simplement les rumeurs vont vite entre enfants, et ben même pas à l'espace de 10 minutes tout le monde savait ce qui s'était passé. Donc voilà, donc je suis rentrée chez moi et étant donné que c'était les vacances de Noël, j'ai pas voulu en parler à mes parents parce que je voulais pas leur gâcher leurs vacances de Noël, je voulais pas leur gâcher Noël. Et donc, étant donné que j'avais toujours la même tignasse qu'aujourd'hui, j'ai réussi à cacher tous les bleus que j'avais quand même sur le visage parce que j'avais quand même eu quelques ecchymoses et enfin, voilà, je m'étais quand même pris des coups de poing dans la tronche. Donc, quand on se prend des coups de poing dans la tronche, généralement, on reste pas toute frais, toute fraîche et toute pimpante. Donc, voilà, j'ai caché ce que j'ai pu cacher avec mes cheveux et tout ce que j'ai pu.
Mais voilà, le lendemain, donc en fait, j'ai fait de comme si de rien n'était. Et je n'en ai pas parlé à mes parents. Et j'ai dit à ma soeur, non, voilà, je voulais pas qu'elle en parle. Je dis, on laisse poser, on laisse ça, on n'a pas besoin de reparler, j'ai pas envie d'en parler à papa et maman. Et donc le lendemain, je sais plus exactement comment ça s'est passé tout ça, mais ma sœur, parce que ma sœur, c'est vrai que quand quelque chose ne va pas, on le voit tout de suite sur le visage de ma sœur. Et ça, c'est quelque chose que j'adore chez ma sœur, parce que c'est vrai que si quelque chose ne va pas, on regarde le visage de ma sœur, on sait tout de suite que quelque chose ne va pas. Donc mon père, connaissant ma sœur très très bien, il lui a demandé ce qui n'allait pas, parce qu'il avait vu qu'elle faisait sa bouche de tortue. Et oui, Tiffen, je parle de toi. Donc voilà, elle faisait sa bouche de tortue et donc il lui a demandé ce qui n'allait pas et elle lui a donc un peu raconté ce qui s'était passé parce que bien sûr, ma sœur est une jeune demoiselle très intelligente et voilà, elle en a parlé à mon papa et elle a très bien fait. D'ailleurs, je lui en remercie encore. Merci ma sœur. Et donc mon père, bien sûr, très choqué et on va dire très surpris et très choqué et tout ce que vous voulez. Enfin voilà, en mode papa, ben, j'imagine que voilà, n'importe quel parent comprendra l'effet que ça fait de savoir que son enfant vient de se faire tabasser. Ben, bien sûr, il est venu me voir et franchement, j'ai été vraiment très fière de mon père. Parce que, enfin, je n'ai pas parlé à mon père de peur qu'en fait, il ne réagisse d'une manière violente contre ces jeunes demoiselles. Parce que voilà, je connais mon papa et puis c'est vrai que comme tout papa on veut défendre sa progéniture et donc, j'ai vraiment peur que mon papa débarque chez elle et leur casse la gueule, donc j'ai évité d'en parler, on va dire un petit peu pour ça aussi. Et là mon père m'a vraiment m'a épatée parce qu'en fait il a dit simplement voilà, on va aller à l'hôpital, on va aller faire constater tout ce que tu as, enfin voilà, les bleus que tu as, les blessures que tu as. Et on va aller au commissariat de police et on va porter plainte. Point. Il a dit, je vais la jouer légale, je vais pas la jouer en mode fou furieux, donc c'est ce qu'on va faire. Et je veux pas dire que voilà, j'avais peur aussi de porter plainte et tout, mais c'est vrai que j'étais quand même un peu soulagée du fait que mon père ne veuille pas aller les voir, leur casser la figure. Et donc ça s'est passé comme ça. Donc j'ai été chez à l'hôpital où on m'avait donné un arrêt de travail, je crois que ça s'appelle les ITT ou quelque chose comme ça, de 10 jours je crois que c'était, 8 ou 10 jours. Donc après Noël est passé. À Noël, et bien voilà, je passe généralement Noël avec toute ma famille entière, donc il a été assez difficile de cacher les bleus sur mon visage, parce qu'il voyait bien en plus à ma tête que voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, c'est vrai que ça a un petit peu gâché les fêtes de Noël parce que voilà, c'est sûr que quand on apprend que voilà, quelqu'un de sa famille ne va pas bien, c'est pas non plus le meilleure chose du monde. Donc bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Ensuite, quand on est arrivé donc vers la fin des vacances de Noël, je ne sais plus quel jour c'était. Bref, c'était la rentrée et la veille de la rentrée, enfin bien 3 jours même avant la rentrée, et bien en fait j'étais vraiment en mode gros stress, j'allais vraiment pas bien. J'avais vraiment peur de retourner à l'école parce que je savais vraiment pas du tout ce qui allait se passer. J'avais juste porté plainte, mais après on n'avait pas vraiment dit ce qui allait se passer. Donc le jour de la rentrée est arrivé, je suis allée avec la grosse boule au ventre, l'énorme boule au ventre même. Et donc mes parents en fait sont passés donc incognito à l'école, aller voir la proviseure pour pouvoir lui parler un petit peu de ce qui s'était passé. En même temps, moi quand j'étais en classe, dès la première heure de classe, notre CPE donc est monté nous voir et a demandé donc aux 3 jeunes filles de venir avec elle et de la suivre. Quand ça s'est passé, vous devez imaginer que tous les yeux se sont braqués sur moi et bien sûr voilà, je n'en menais pas du tout large. Et donc j'ai appris par la suite qu'en fait ces demoiselles avaient passé donc une sorte de, un interrogatoire, mais elles avaient voilà été reçues par la police et par la principale avec leurs parents. Et donc simplement j'avais gardé ma plainte et puis par la suite j'ai eu quelques lettres d'excuses et quelques petits mots. Ma plainte, je n'ai jamais levé ma plainte par mes parents, parce que c'était mes parents à l'époque qui portaient plainte, enfin c'était pas moi. Mais mes parents n'ont pas levé la plainte, on a laissé la plainte telle qu'elle était pour au moins servir un peu de leçon pour elle et puis pour d'autres enfants dans l'école qui sachent voilà ce qui se passe quand on fait du mal à quelqu'un, quand on est violent avec quelqu'un comme ça. Voilà, donc voilà comment ça s'est passé mon histoire. Je voudrais juste
simplement prendre un petit moment juste pour remercier en fait un petit peu toutes les personnes de mon collège, enfin tous les professeurs et toutes les personnes travaillant au collège en fait, qui m'ont énormément aidée, en particulier ma CPE, qui se reconnaîtra dans cette vidéo si jamais elle la regarde. Un grand merci à elle, un grand 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 merci à elle qui m'a écoutée, qui a joué un petit peu en quelque sorte ma psychologue, on va dire ça, parce que c'est vrai que je me souviens plus si j'avais vu une psychologue ou pas. C'est quelque chose que je ne me souviens pas, ça. Mais en tout cas, voilà, j'étais vraiment bien encadrée par tout le personnel de l'école. Et vraiment, j'ai reçu du soutien de tous les professeurs. Tout le monde a eu un gentil petit mot pour moi. Et je vous avoue que ça fait un peu bizarre, parce que c'est vrai que moi, je voulais simplement juste une chose, c'est qu'on m'oublie. C'était qu'on m'oublie et qu'on ne parle plus de moi et qu'on fasse à autre chose. Mais c'est vrai que voilà, bon, c'était gentil de recevoir voilà, comme ça, des petites attentions comme ça, très gentilles et très... Ça fait plaisir, ça fait du bien en fait, ça fait du bien de voir qu'on vaut vraiment quand même quelque chose. Ça remet un petit peu du baume au cœur et puis ça redonne confiance, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc ensuite, bah, par la suite en fait, l'année scolaire s'est déroulée, voilà, tout simplement, il n'y a rien eu de plus, tout s'est arrêté là en fait. Je n'ai plus de problèmes par la suite et en plus de ça, bah, c'était ma dernière année de collège, donc je savais que l'année d'après j'allais changer d'endroit, donc ce qui était très bien. J'en avais marre d'être là-bas. Et voilà, donc simplement mon histoire c'était ça. Maintenant, donc les petits conseils que je peux vous donner si jamais à vous ça vous arrive, c'est parler. Je pense que c'est le conseil que l'on répète tous et toutes les personnes qui ont été harcelées un jour dans leur vie. Mais c'est le plus important des conseils, c'est parler, communiquer, ne gardez pas tout pour vous, ne pensez pas que vous êtes moins que rien, ne pensez pas que vous n'en valez pas la peine, ne pensez pas que ce qui vous arrive est normal. Non, ce n'est pas normal, même que je sais pas moi, que vous vous habillez d'une certaine façon, que vous soyez d'une certaine manière, que rien n'excuse le fait, rien n'excuse à des personnes de vous embêter, rien n'excuse des personnes d'être violent avec vous, rien n'excuse ça. Et puis le harcèlement, ce n'est pas seulement que de la violence physique, c'est aussi surtout de la violence morale. Moi j'ai eu de la violence physique, mais il y en a beaucoup à qui la violence physique n'arrive pas, mais la violence morale fait tout autant mal. Et c'est vrai que, pour vous dire vrai, moi c'était plus l'humiliation qui m'a fait mal que les coups. Parce que bref, les coups, je veux dire, ce sont des bleus, ça part, après au bout d'un moment, au bout d'une semaine, il n'y a plus rien. Alors que l'humiliation, alors que les blessures intérieures, c'est ce qui fait le plus mal, c'est ce qui reste à vie généralement. Donc, mais moi je le vois encore, vous savez, quand par exemple je regarde, je ne peux même pas par exemple regarder, je sais que des fois sur Facebook il y a eu quelques vidéos qui circulaient comme ça, sur des personnes se tabassant, sur des personnes se bagarrant, sur des jeunes tabassant d'autres camarades. Ça, ce sont des choses que je ne peux pas voir, que je ne peux pas regarder, que je ne peux pas faire. Si je regarde ça, je pleure directement. Directement, c'est ma corps sensible, c'est ma sensibilité, c'est le point qui me fait mal. Et voilà, c'est simplement ça. Et simplement accepter ça, accepter le fait que vous soyez malheureux, que vous soyez malheureux et accepter vos sentiments là-dessus. Ne mettez pas des barrières entre vous et les autres. Allez voir les autres, allez discuter avec vos parents, allez discuter avec vos tantes, vos oncles, vos cousins, vos soeurs, qui vous voulez, vos meilleurs amis, vos chiens même, si vous voulez en parler à vos chiens, mais bon, votre chien ne fera pas non plus beaucoup de choses. Mais bref, parlez-en à des gens qui peuvent vous aider, en qui vous ayez confiance, et si vous voyez que ces personnes ne font rien pour vous aider, allez voir quelqu'un d'autre, ne lâchez pas l'affaire, vous ne devez pas, ça ne doit pas arriver, vous ne devez pas être violenté. Vous ne devez pas avoir ça. Moi, je sais que, voilà, c'est simplement ça, ça ne doit pas arriver. Et si ça arrive, faites quelque chose là-dessus. Ce n'est pas en restant comme ça à ne rien dire, à avoir peur dans son coin que ça changera. Vous savez très bien ce qui arrive à des personnes qui n'en ont jamais parlé. Il y en a beaucoup d'entre elles qui finissent par se suicider. Il y en a beaucoup d'entre elles, bon là, c'est vraiment le cas vraiment extrême, mais ça arrive. Il y en a beaucoup d'entre elles qui font des grosses dépressions après, à l'âge adulte ou même à l'adolescence ou n'importe quand. Simplement, la vie est trop courte pour se faire emmerder, la vie est trop courte pour ne pas profiter de chaque instant. Donc si quelqu'un vous fait chier, si quelqu'un vous emmerde, juste allez en parler et soyez plusieurs à vous défendre. Et si vous voyez que personne ne vous aide, qu'aucun adulte ne veut vous aider, allez simplement voir la police, téléphonez à la police, téléphonez. Il y a tellement de choses maintenant, vous avez tellement d'associations qui cherchent justement à vous aider là-dessus. Et là, j'en connais pas non plus
dans ma tête, je ne le connais pas parce que je ne regardais, je n'ai pas eu accès à ce genre de choses à l'époque. Mais je sais que maintenant, il y en a énormément des associations contre le harcèlement à l'école, des associations contre le harcèlement tout court, n'importe où, n'importe quel harcèlement. C'est pas vraiment que ce n'est pas seulement que le harcèlement à l'école, c'est aussi le harcèlement dans la vie privée, dans la vie conjugale, dans la vie dans la rue, n'importe où. Tous les harcèlements sont des mauvaises choses et ça ne doit pas arriver et vous devez en parler et ne pas en avoir honte. Vous êtes la victime de ça, vous n'êtes pas la personne, vous ne le méritez pas, simplement vous ne le méritez pas. Personne ne mérite ça, personne ne mérite de vivre ça. Même si vous ayez fait la pire des crasses à qui que vous voulez, vous ne méritez pas ça, tout simplement. Voilà. En conclusion, voilà, désolée, je pars encore en vrille là, mais c'est vrai que ça m'énerve tellement de que ça arrive encore, d'entendre encore des histoires comme quoi des personnes se sont suicidées, des personnes sont en dépression à cause de ça. Ça me rend folle, ça me rend folle, parce que je comprends pas comment on ne peut pas aider ces personnes comme ça, que je ne comprends pas ça, tout simplement, voilà, je comprends pas. Bref, voilà. En conclusion, ce que je peux en tirer, enfin, en tout cas moi, ce que j'en tire, c'est un peu que du positif, parce que c'est vrai que ce qui m'est arrivé maintenant me rend la... Enfin, je me dis que si ces choses-là ne m'étaient pas arrivées, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas cette jeune femme. Voilà, je n'aurais pas... Je sais pas comment expliquer ça. Je pense que si ça ne m'était pas arrivé, je serais pas tout le temps de mettre des challenges comme je fais en ce moment. C'est-à-dire partir dans un autre pays ou commencer une nouvelle vie ou voilà, simplement mettre des défis un petit peu tout le temps. Ça me rend plus forte en fait. Faut vous dire que ce qui ne vous tue pas ne vous rend plus fort. Et c'est vrai que ce dicton est vrai. Parce que c'est vrai que ça rend, on se sent vachement fort après. Enfin moi je sais que je me sens forte maintenant, je me sens forte à présent. Parce que je sais que voilà, j'ai réussi à braver ça. Bien sûr j'étais pas toute seule, hein, j'étais encadrée heureusement. Mais j'ai réussi à passer ça et maintenant ben, je me dis que si j'ai réussi à passer ça dans mon enfance, ben, je peux passer n'importe quoi d'autre. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ben, je crois que c'est tout. Hein. Vous n'êtes pas les seuls à... Voilà, pensez pas que vous êtes tout seul à vivre ce genre de choses. Vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont vécu ce genre de choses dans leur vie. Même mon petit copain, comme quoi les esprits se rencontrent, mais même mon petit copain aussi a subi ce genre de choses. Alors, voilà. C'est juste... C'est marrant en fait comment les gens qui ont vécu un peu ce genre de choses sont un peu aimantés l'un à l'autre. C'est vrai que je parle d'un sujet tout complètement différent, mais c'est marrant en fait parce que, ouais, on... Voilà, c'est drôle quoi. La vie est vraiment drôle, la vie est vraiment bizarre des fois. Et voilà, je sais pas ce que je raconte là, mais bref. Donc voilà, tous les conseils que je peux vous donner, c'est parlez-en. Et surtout, si jamais ça vous arrive, pensez à vous faire suivre par quelqu'un ou au moins d'aller en parler avec un psychologue ou avec des personnes de confiance. Restez pas dans votre coin à marmonner, à penser à ça toutes les 15 secondes. C'est simplement, faites-vous aider et restez pas seul. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'espère que... Je vais pas dire que cette vidéo vous a plu parce que ce n'est pas le but, que cette vidéo vous plaise ou non. Et bon voilà, j'espère en tout cas vous avoir aidé pour ceux qui ont besoin d'aide. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur si jamais par exemple vous avez besoin que je vous donne des conseils sur certaines choses. Je serais vraiment vraiment heureuse de pouvoir vous aider sur quoi que ce soit. Voilà, mais pensez que vous n'êtes pas seule. Je sais que voilà, Marie de la chaîne Angel Phoenix, elle avait fait aussi une vidéo là-dessus et moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Je pense que vous allez vous dire, oh mon dieu, c'est comme elle. Non, bah franchement, j'aurais préféré ne pas avoir été harcelée dans ma vie, comme ça au moins je n'aurais pas pu faire cette vidéo. J'aurais franchement 100 fois préféré ne jamais faire cette vidéo et ne jamais avoir été harcelée que la faire. Donc voilà, je donne ma place à qui le veut. Mais bon, voilà, en tout cas, je suis contente de voir que de plus en plus de personnes se mobilisent là-dessus et de voir que voilà, c'est de moins en moins un sujet tabou et qu'on arrive de plus en plus à en parler. Donc. Super, j'espère qu'un jour ça s'arrêtera complètement. Voilà, donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end quand même. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera, je pense, et je l'espère, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus de bonne humeur, voilà, dans une meilleure humeur que celle-là. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien. Et je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo. À bientôt, ciao!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de la catégorie beauté et fashion. Aujourd'hui je vais vous parler donc des produits que j'ai terminés et je vais vous dire ce que je rachète et ce que je ne rachèterai pas.